Ah si, oui, je me rappelle maintenant. Ah, j'ai un petit souci de volant. Pas configuré pour aller avec mon volant, mais que je l'avais configuré pour aller avec une manette de Xbox 360, mais c'est vrai que c'est mieux que mon volant, mais bon, on va dire que c'est potable mais pas au top. Ça vaut pas le volant. Donc voilà, comme vous avez vu, j'ai un FHS. Donc on va aller à la ville la plus proche. Donc c'est bien qu'on va aller tout droit, je crois. Ah, je crois que je suis dans le mur. Non. Par contre, je suis en automatique, pas réel, mais en automatique, ouais, en fait, en automatique simple, je crois.
j'avais configuré ma nouvelle manette de Xbox 360 parce que j'ai essayé d'adapter sur un micro et donc ça me fait des clous. J'ai ni clignotant, en fait je vais voir un petit peu cette vidéo, mais il me semblait que je l'avais configuré pour mon nom, mais finalement je ne l'ai même pas configuré. J'ai configuré ma manette, mon problème. Vous savez que j'avais envie peut-être de faire la manette. Donc on m'a dit peut-être au Luxembourg. On en parlait beaucoup, j'en ai beaucoup entendu parler par des youtubeurs
et plein d'autres personnes. Mais bon, en tant que pour mon aide, je dirais que je peux pas vraiment écouter les autres. Bah, si, je peux les écouter, mais alors, pas forcément, quand ils disent, ouais, il y a machin qui va sortir. Parce que j'entends beaucoup parler aussi de American Truck. Je sais que au mois de février, j'ai entendu qu'il avait fait parler beaucoup de lui. Ce jeu qui est d'après moi avec une mascara. En gros, je pense que ce jeu il sortira jamais ou dans très très longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai vu un truc en haut à gauche là, au milieu de mon écran. Au milieu de mon c'était pas un peu, je vais en parler, mais c'est pas presque. Donc voilà, on va aller à Dijon et on va prendre une petite remorque parce que j'ai pas vraiment fait un truc beau. Je sais pas du tout ce qu'il y a. Voilà, en gros c'est ça qui est vraiment pas. Et donc voilà, il y a d'autres personnes. Mais aussi il y a un petit désavantage, mais peut-être que ce sera résolu plus tard, c'est qu'il n'y a aucun véhicule. En gros, il n'y a pas d'IA dans ce jeu. Il n'y a que. Des camions qui sont contrôlés comme nous, comme moi, je veux dire, par des êtres humains, quoi, et pas par un ordinateur, quoi, c'est pas l'ordinateur qui contrôle. Ouais, 10 balles, ça coûte un peu cher, mais... C'est vraiment dommage. Donc voilà. Oh, j'ai pas demandé de se remettre. Oh. Pourquoi j'ai pas eu de collision là, alors qu'on n'est pas en ligne. À moins que ce soit parce que c'est l'administrateur. Je sais pas. Pourtant dit, parce que normalement, d'après ce que j'ai vu, mais bon, je le savais un peu avant, les zones de non-collision, ils n'y ont plus beaucoup. Ils ont réduit les zones de non-collision à des trucs que... Et en gros, c'est plus que les entreprises où c'est des zones de non-collision. Et plus comme au tout début, c'était toute la ville, et au plus, tout avant la ville, il y avait aussi. Donc, voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont encore à améliorer, mais dans la moyenne, on va dire, ce jeu est plutôt pas mal. Allez, arrête de ramer. Non, oui. Donc voilà. Moi j'espère qu'il vous plaît, parce que moi il me plaît beaucoup. J'y joue pas souvent, mais il me plaît beaucoup quand même. Ouais. Ah, arrête de bugger. Ah, il s'est mis à pleuvoir. On va s'y attendre. J'ai mis. Ça m'a porté malheur en fait de mettre les essuie-glaces tout à l'heure. Donc voilà, et maintenant il se met à pleuvoir. Voilà, donc là on va aller chercher une petite livraison de Dijon.
pour la Dijon, certainement. Donc si j'ai bien défini le temps, et j'ai même des infos, mais pas sur les bons boutons. Donc on va voir. Ah, marché de travail. Donc on va voir. Dijon, qu'est-ce que t'as sur Dijon? Pourquoi tu m'affiches rien? Bon, bah on va devoir aller chercher nous-mêmes parce que... il veut pas de trouver des entreprises. De communication, on va dire, dans le jeu, un peu comme sur tous les jeux en ligne. Hein. Voilà. Sauf que c'est plutôt, on va dire, pas mal, hein, sur des jeux en ligne. Piano M. Et aussi le fait que les trucs soient tombés. Mais sinon, ce jeu, derrière Euro Truck 2 est un bon jeu, le fait de pouvoir y voir un multijoueur, il est encore plus. Et après qu'il l'ait encore mieux. Bon, il l'a de temps en temps pour tout le monde.
Dijon Lyon. Bon bah on va se faire ça dans un petit Dijon Lyon. Donc on doit aller chercher là on va en faire comme dans tous les trucs. Hein. En version multijoueur en gros. Ce qui fait qu'on voit pas la remonte. On la voit pas bien. Moi c'est vrai que je le fais en mode freestyle on va dire parce que c'est vrai que on pourrait dire que marche arrière fiche plutôt bien avec le rétro sans tout on va dire hop après on va la direction tout en haut hop et hop on part on voit. Direction Lyon. Ah ouais. Et donc, bon, je pensais que j'avais quitté le mode multijoueur. Je vais enlever le... Je sais pas ce que ça fait si on sort de la zone de nos collisions et que... Ah non. Bon, on va se passer une petite martinière, hein. Surtout que j'étais pas vraiment fan de ce... Ben si, dans le fond si,
Je suis... mais pas trop en fait du style Camille. En fait, j'étais plutôt fan du style... comment dire, du style voiture, en gros, course de voiture, tout ça, ça c'était mon truc, et ça l'est toujours. J'aime toujours les sportifs, les trucs de voiture là. Mais là en ce moment, c'est vrai que bah si c'est toujours un peu du style voiture, c'est un mélange entre voiture et camion. C'est ce que je vous ai mis la semaine dernière, c'était un vendredi. De passer, c'était Spin Tier, qui est un jeu excellent. Qui est un jeu excellent et que je vous ai mis en découverte là vendredi dernier. Donc voilà. Et donc ce jeu est tout simplement excellent. C'est une version en gros c'est vraiment limite mieux que ce que vous avez vu en gros avec Extreme Trooper. D'ailleurs shit, bon bah un dégât, donc espace, hop, on ouvre, hop, pas. Allez. Bon, là il a eu un peu de mal parce que je me suis pris la barrière. J'ai freiné un peu trop tard. Mais bon. Donc voilà. D'ailleurs, elle n'a pas pris beaucoup de vitesse. Voilà. Je sais pas si c'est. Donc il n'a pas pris beaucoup de dégâts quand même par rapport à ce que j'ai dit. J'ai certainement que la remorque derrière en vient encore. Donc voilà. Ce jeu en multi. Il est tout simplement magnifique. Voilà. Là je vais m'arrêter. Hop, c'est plus si F je crois. Échappe. Et là, pour ce sera mon... la partie. Ah ça fait pas super joli là. Ça fait pas super joli. D'habitude, là où je fais mes photos, comme celle que en gros j'ai comme celle que j'ai en tant que miniature, on va dire. Celle que j'ai en miniature, c'est à peu près la même que celle-là. Bien, c'est pas le même camion, mais c'est le même style, mais on voit les reflets sur le sol, alors que là, on les voit pas. Là, d'ailleurs, il y a un camion qui est rentré dans le cul. Et donc, voilà. Hop, on va faire la petite photo qui va bien. Hop, on retourne en mode... Parce que là sinon ça va plaire aux autres derrière. Hop. C'est quoi déjà? Je ne me rappelle plus comment faire. Non, ça c'est pas trop bien. Devant, l'autre il me déboîte juste devant moi. Donc voilà, et ouais, bah déboîte pas trop non plus. Bon, faudra que je reconstruise. Donc dites-moi dans les commentaires si par exemple vous vouliez voir un nouveau épisode de Euro Truck comme ça là, en version de petit jour. Moi ça me ferait plaisir, si j'arrive à en faire d'autres, ça me plairait bien. Ce qui fait chier dans le jeu en général,
c'est que en gros les panneaux sont pas vraiment adaptés à une conduite en plein air. Donc je vais faire un petit truc qui est pas très bien. Je vais enlever le limiteur de vitesse. Et vous avez truc. Je vais mettre le même temps aussi, je vais mettre le frein automatique. Simulation de la pression d'air bien sûr. Et puis consommation de carburant réaliste. Nouveau terminal. Donc voilà. Ah, hop. Et hop. Donc on va reprendre la route et cette fois-ci on va aller un peu plus vite vu que j'ai vu le limiteur de vitesse. Bon dans la vraie vie je conduis un peu comme ça mais vu que dans la vraie vie c'est pas tout à fait pareil. Déjà avec mon volant j'ai pas la... j'ai pas de réalisme en fait. J'ai limite plus de réalisme avec la souris, pas avec la souris, avec la manette de Xbox 360 que avec il y a plus de réalisme qu'avec ce volant, avec le volant que j'ai. Bah, il vaut pas très cher par rapport à certains. Hein. Il vaut pas 105 euros, 1000 euros, non. Il vaut à peine 100 euros. C'est déjà pas mal. Mais en gros, sur PC, il vaut rien. Je préfère avoir un G27 qui aille bien ou il faut un petit peu plus cher. Du temps, du temps en France, en gros, d'occasion. Ouais, donc voilà. Et en plus là, en gros je peux pas faire ce que je voudrais faire avec. C'est vraiment dommage. Donc voilà. Après c'est un des jeux que j'ai fait en vidéo découverte. Par hasard, hein, ou vous voudriez que je fasse une suite ou un let's play ou une petite vidéo, des petites vidéos, comment dire, une vidéo suite, on va dire, de découverte. Si ça vous intéresse, oui, pourquoi pas. Par exemple, sur NASCAR de Game. 2013. Là, on va avoir une belle route pour venir jusqu'à Paris. Jusqu'à Lyon. Cette jolie ville lyonnaise qui demande qu'à être vue et revue et revue. C'est vrai que Euro Truck fait des progrès, on va dire, dans
dégâts et en plus j'ai fait une pièce de gueule. Donc voilà. C'est dit à ce qui est marqué en bas, c'est un peu le temps pour dur. Donc voilà, c'est vrai que ce jeu il est super. Super bien. Sauf que le truc c'est que si t'as pas une connexion suffisante, il coupe tout. Il coupe. Donc voilà, après. Et que vous voulez que je fasse un truc dessus ou un truc que vous ne savez pas faire et que par exemple moi je saurais peut-être faire hein. je sais pas tout faire non plus, mais si par hasard je sais faire, parce que c'est vrai que je suis pas un génie mais j'ai quand même d'assez bonnes connaissances, vous voyez, voilà, donc c'est vrai que si vous voulez des choses si vous voulez voir un truc un peu spécial, peut-être me dire un écran en clair et je vous ferai une vidéo tuto ou découverte ou suite de découverte ou je ne sais quoi, on verra bien sur YouTube. Parce que je pense que c'est seulement où je fais des vidéos. Hein. Excusez-moi, je suis là. J'espère pas avoir de soucis avec la seconde du téléphone. Mais bon, ça ne me dérangerait pas. Donc là, il nous reste plus de 40 minutes avant d'arriver sur un jeu. Ça fait pas beaucoup. J'ai l'impression que le radis quand même est pas poussé non plus à. Parce qu'en gros, quand on voit, moi je sais que sur Lyon, c'est pas comme ça qu'on rentre sur Lyon. Tu rentres pas directement par le tunnel de première ou par le tunnel de pérage, pas du tout. Et moi, quand tu passes le tunnel de pérage et le tunnel de première, ça a déjà passé vite. Donc, c'est vrai que si ben, en gros, c'est pas pur à la vie que ça. Donc voilà, je vais vous dire que vraiment je vous remercie de regarder mes vidéos. Je sais que je vais le dire un peu tard. Je vous remercie de regarder mes vidéos, même si vous regardez que les deux premières minutes. J'aime déjà qu'on puisse regarder mes vidéos. Même si ça dure que. Si vous regardez que 2 minutes, ça me dérange pas plus que ça. Là, un petit peu. Qu'on fait avec. Donc voilà, après si franchement si vous voulez voir un tuto ou un truc et que je sais faire hein, par exemple comment faire des remorques sur le PS2, je sais faire hein. Là c'est vrai que ça n'a plus beaucoup d'intérêt parce qu'on peut pas les mettre en mode joueur. C'est des choses qui est dommage, il n'y a pas de mode, il n'y a pas de... dommage. Donc voilà, la semaine prochaine, peut-être qu'il y aura une autre vidéo, soit de Road Truck, mais pas en multi cette fois. Ce sera une petite présentation de monde sur Road Truck. Et peut-être du Fermin, je sais pas, parce que c'est vrai qu'en ce moment, j'ai plus... j'ai peut-être Burnout Paradise. Si j'arrive à le faire passer comme il faut, à faire
à le filmer comme il faut, je ferai peut-être du Burn Fahrenheit en test. On verra bien. Après, je sais pas si... Ah si, il y a Police Force que j'essaierai peut-être, on va dire. Parce que j'ai pas oublié mon ordinateur, si je peux le mettre, si je peux filmer aussi concret en mode test, en vidéo découverte quoi. Et donc voilà. Si après vous avez des soucis en informatique ou tout ça, vous arrivez à régler votre problème, dites-le putain. Et que plus vite je passe un tuto, n'hésitez pas à me dire que j'aimerais faire un tuto comme possible. D'un... Comme il est possible que je fasse pas. Enfin, là on vient de passer le tunnel de la... de Fourvière. Oui c'est Fourvière. Et puis là on passe le tunnel de Perrache qui n'est pas... Qui est, si le tunnel en lui-même il est réaliste, mais c'est la façon dont c'est fait qui ne l'est pas. Si il y a des trucs qui sont pas, voilà, franchement, en tout cas les endroits que je connais ne sont pas très réalistes. Bon, il n'y a pas beaucoup d'endroits que je connais là-dessus, mais parce qu'en gros, il n'y a pas de sortie à gauche et à droite, même si c'est bloqué, c'est pas grave. Hein. Mais... Ah, si c'est bon, je ne sais pas ce que je veux dire. Je vais mettre les deux droits. Et après, je coupe. Donc voilà, ça va être la fin du... de la... comment on peut appeler ça, ouais, donc ça va être un épisode de l'hebdo certainement dans une version multijoueur. Ça va être tout, juste une version multijoueur de Euro Truck 2. Donc en gros ça va faire partie des vidéos de l'hebdo. Surtout que je ne suis pas routier, c'est ça le truc. Mais bon, on va dire que dans le jeu j'en suis, hein, donc ça revient. Mais... Non, merde, c'est vrai que ce n'est... Merde. Ce n'est plus... C'est pas pareil. Là, il y a un gars qui veut... Merci. Allez ! Donc voilà, après si vous voulez voir d'autres vidéos de Euro Truck en mode multijoueur, n'hésitez pas à me le dire ou à me le faire savoir, soit par YouTube, Facebook ou Twitter. Bon, Facebook, je vous dis franchement, je suis pas souvent dessus. Mais... Après, Twitter, je suis un peu plus. Voilà, je suis un peu plus Twitter. Un peu plus, hein, mais c'est vraiment, c'est pas beaucoup plus. Ce qui manquerait en fait dans ce jeu, c'est des lumières poster, je sais pas comment on peut appeler ça. En gros des lumières frontales, des lumières je sais pas comment on peut appeler ça, parce que c'est pas des lumières lumière qui éclaire derrière, en gros qui manque à ce jeu. Bah, il doit certainement y avoir un mode, mais... Voilà, hop, et hop, ça y est, on est arrivé au bout. On a 6% de dégâts quand même.
Donc voilà. Après, si vous voulez, je passe une vidéo malgré qu'il y en ait beaucoup sur ce jeu en mode pour cheater. Parce que là, il y en a beaucoup déjà des vidéos comme celle-là. Il y a des pour apprendre à cheater. Donc voilà, si vous voulez que je vous apprenne trop, vous reprendre ce que c'est comment faire. Donc voilà. Après, comment dire, ouais, en gros, j'en ai pas encore fait, mais ça pourrait venir. En fait, j'ai pas encore fait de tutoriel. Parce que je sais pas sur quel sujet faire. Donc, tiens, on va aller acheter l'entreprise qu'il y a ici. Donc voilà, si vous savez sur quoi je pourrais faire une soirée, j'en ferai un certain nombre. Enfin, ça. Donc voilà, j'en ferai un sans souci. Mais bon, après, vu que moi je sais pas sur quel... je sais pas comment dire, sur quel point je pourrais faire un tutoriel. Donc voilà, faut m'aider pour ça. Oui, je veux acheter ce garage. Oh, c'est mon deuxième garage avec celui que j'ai dit. Donc voilà. Et on va se quitter. Bon, je vais la fermer. Essayer de faire une petite photo dans le garage. Je sais pas, je verrai, je prendrai la meilleure des deux. Voilà, prendre photo. Voilà, là il est pas mal, il est pas mal. Oui, c'est pas mal du tout. Donc on va faire ça comme ça. Non, parce qu'il vient d'enlever de là. Donc, on va prendre celle-là comme ça. Et voilà. Et donc, on va se quitter sur cette petite mission de Dijon à Lyon. J'espère que ce multijoueur vous a plu. C'était MM Simulator en multi. On va dire. Hein. Donc, voilà. Si vous voulez des tutos, dites-le moi dans les commentaires. Laissez-moi un petit commentaire disant ouais, on a un tuto sur Dune, c'est quoi. Et après, j'essaierai de faire pour vous faire ce tuto. Et ainsi de suite. Et si vous voulez voir un jeu en particulier, si voilà. En gros, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez faire, que ce soit. Un jeu que vous aimez ou que vous aimez pas, c'est vrai que dans le fond je peux même tester des jeux que j'aime pas. Parce que c'est vrai qu'il y a des jeux que j'apprécie pas beaucoup, mais bon, je vais faire un effort en même temps. Si après, là, comme ça, pour les tester quoi. Une vidéo de découverte, autant pour vous que pour moi, et ainsi de suite. Après, c'est vrai que voilà. Donc, si vous voulez voir un épisode encore du Euro Truck en multi, comme ça, dites-le moi dans les commentaires. Sinon, n'hésitez pas. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur tout ce que vous voulez comme réseaux sociaux. Moi, je vous dis à plus. Pour une nouvelle vidéo.
faire Mignon Troll, vidéo test, vidéo découverte, ainsi de suite. Ou un nouveau let's play, peut-être, on sait jamais. Hein. Donc, à plus, ciao.